Bonjour Rudy. Bonjour Sabrine. Merci de nous accorder cet entretien. Mais je t'en prie. Tu travailles donc avec Forever Living Products, qui est partenaire de la Fédération de la Vente Directe en France. Oui, c'est ça, oui. Quel est le concept de cette société? Alors, le concept, il est très simple, c'est de permettre à quiconque le souhaite de pouvoir créer sa propre activité à domicile, dans le but soit de développer un complément de revenu, soit de préparer tout simplement un revenu plus important, un revenu principal, même quasiment une rente pour l'avenir. Quel est le cadre légal de cette activité? Alors, le cadre légal, on est réglementé par le statut VDI, vendeur à domicile indépendant. C'est un statut qui a été créé par les pouvoirs publics en 1993 pour légiférer tout simplement cette activité et qui donne la possibilité à quiconque le souhaite, que la personne soit salariée ou qu'il soit retraité ou qu'il soit étudiant ou même sans activité professionnelle, de pouvoir démarrer une activité VDI, donc micro-entreprise à domicile. Tu as fait des études supérieures dans le commerce? Oui. Il faut avoir des études supérieures dans ce domaine-là pour pouvoir exercer? Il ne faut pas avoir de diplôme particulier. Je n'ai pas fait des études supérieures vraiment puisque j'ai juste une licence en marketing. Mais cette licence est dans un domaine totalement différent, le domaine industriel. Et je me suis formé tout simplement en regardant d'autres personnes faire. En fait, je pense que si on n'est pas commercial, c'est encore mieux parce que ce métier, ce n'est pas une activité de vendeur, c'est une activité de relationnel. Il faut aimer les gens, il faut aimer partager au niveau des produits, partager au niveau de l'activité et tout fonctionne très simplement. À partir du moment où on consomme le produit et qu'on en parle avec amour autour de soi, les affaires démarrent. Mais quel est le produit que Forever Living Products propose? Le produit que Forever Living propose, c'est principalement des produits à base d'aloe vera. Notre produit phare, c'est la pulpe d'aloe vera, qui est une boisson vivifiante, une boisson tonifiante donc pour le corps humain, qui apporte vraiment un mieux-être. Et on a toute une gamme de produits développés à partir de l'aloe vera. Forever est le leader mondial depuis 30 ans aujourd'hui de cette plante. Il possède plus de 10 millions d'hectares de plantations aux États-Unis, en République dominicaine, au Mexique, au Texas. Et derrière, on a une gamme de plus de 200 produits qui abordent les soins personnels, le maquillage, des produits d'hygiène, des produits de beauté, des compléments alimentaires, enfin beaucoup, beaucoup de choses qui sont très, très bonnes pour l'homme. Le but, c'est de les distribuer? Alors, le but de l'entreprise, effectivement, c'est de faire connaître le maximum ces produits par le biais du bouche à oreille, qu'on appelle également le marketing de réseau, la vente directe à domicile. C'est une activité qui est rémunérée et à chaque fois qu'on en parle, on a la possibilité effectivement de pouvoir faire des affaires et de gagner un peu d'argent. Pour quelqu'un qui veut adhérer à ce concept, oui. Est-ce qu'il a des obligations de résultats? Est-ce qu'il s'engage? Est-ce qu'il a du stress par rapport à ce qu'il doit réaliser? Non, absolument pas. En fait, la société, le but de l'entreprise, et ça, Forever l'a bien compris, c'est que les gens, dans la plupart, la majorité des cas, ils ont déjà un travail, ils sont très occupés dans leur vie, ils cherchent à gagner un complément de revenus. Donc Forever n'impose pas de maintenir une activité professionnelle. On peut très bien travailler un mois et distribuer les produits, puis l'autre mois ne pas le faire. La société ne nous appelle pas pour mettre quelconque pression que ce soit, non pas du tout. On commande des produits au niveau de l'entreprise au fur et à mesure de la demande que l'on rencontre au niveau de notre clientèle, en fonction de nos besoins personnels. Et voilà, tout se fait simplement, sans aucune pression. Au contraire, c'est plutôt quelque chose d'amusant. Pourquoi quelqu'un ferait cette activité? On peut partir de d'où et on peut arriver où? C'est une grande question. Pourquoi quelqu'un ferait cette activité? Chacun a des besoins personnels qui lui sont propres. Il y a des personnes qui, effectivement, vont rêver de liberté financière, de pouvoir gagner beaucoup d'argent tous les mois, pouvoir gagner 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois. Et c'est possible avec cette activité au bout de plusieurs années de travail. Comme il y a des personnes qui ont juste besoin pour arrondir les fins de mois de gagner 300, 400 euros. Et dans ce cas-là, c'est deux métiers totalement différents. D'un côté, on vend des produits, on gagne du complément de revenus, ce qui suffit largement. Et d'un autre côté, on développe une équipe de distributeurs si on le souhaite. Ce n'est pas obligatoire, mais en faisant ça, petit à petit, on développe un revenu résiduel qui va grossir de plus en plus en fonction du nombre de personnes qui rentrent dans notre réseau de distribution. Nous pouvons parler de deux choses, la santé et l'argent. Oui, effectivement, on aide les gens sur deux plans, sur la santé physique et la santé financière. Pourquoi tu as choisi cette activité, Rudy?
Pourquoi j'ai choisi cette activité? Parce que j'avais envie de sortir d'un cadre. Je rêvais de liberté, d'épanouissement, de pouvoir travailler quand j'en ai envie, d'avoir le luxe de pouvoir me lever quand j'ai fini de dormir et pas devoir me lever à cause de mon réveil pour aller au travail. Tout ça, ce sont des habitudes qui ont changé aujourd'hui. Je ne fais plus vraiment la différence entre la semaine et le week-end. Je ne regarde pas particulièrement lorsque je souhaite prendre mes vacances dans l'année. Et ça, c'est Forever qui me l'a permis, tout simplement grâce à son plan marketing qui me donne la liberté aujourd'hui dont je rêvais auparavant. Est-ce que tu peux me dire si tu as des conseils par rapport à cette activité pour quelqu'un qui serait intéressé? Pour quelqu'un qui souhaite démarrer, qui souhaite découvrir la vente directe à domicile, le marketing de réseau, c'est quelque chose d'entièrement nouveau. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, je n'avais pas un a priori positif par rapport à cette activité. Et petit à petit, ça a changé lorsque j'ai rencontré des gens qui développaient ce concept à domicile. Parce qu'au départ, j'avoue, je n'y croyais pas. Et aujourd'hui, maintenant, j'y crois forcément parce que j'en vis. Mais le conseil que je peux donner à quelqu'un qui découvre ça, c'est de se renseigner avant de porter un jugement. C'est la première des choses à faire. Souvent, on a une mauvaise image, un a priori, on doute, on se dit que c'est pas possible, alors qu'en fait, c'est réellement possible. Mais avant ça, il faut parler aux gens qui réussissent et pas parler aux gens qui échouent. C'est deux choses totalement différentes. Voilà. Tu retournerais dans le travail traditionnel? Non, plus jamais. Aujourd'hui, j'ai réussi à en sortir. Je sais que je suis sur le bon chemin avec Forever. Forever, c'est mon partenaire. Il y a beaucoup de partenaires qui existent en vente directe, mais j'ai choisi de travailler avec Forever parce que pour moi, c'est une entreprise solide, c'est une entreprise qui existe depuis 30 ans. Les produits sont des produits d'excellente qualité. Ils sont garantis, satisfaits, remboursés 30 jours. Donc ça, c'est quand même un gage de qualité. Et puis la société est une entreprise sérieuse qui a une éthique très forte, qui respecte les distributeurs, et ça pour moi c'est important à mes yeux. Donc aujourd'hui je suis content de travailler avec ce partenaire et je suis content de faire ce type d'activité. Voilà. Le tout, on dit toujours qu'il faut qu'il y ait 3 P qui soient réunis au bon moment. Donc il faut que ce soit le bon moment effectivement pour démarrer cette affaire. Il faut démarrer avec la bonne personne. Et le troisième B, c'est faut que ce soit la bonne chose, voilà, la bonne opportunité. Donc j'ai trouvé les trois avec Forever. Quelqu'un qui donc veut adhérer au concept, il faut prendre contact avec la personne qui lui a parlé. Alors le plus souvent, on découvre l'activité par le biais d'un ami ou par le biais d'une connaissance qui développe déjà elle-même cette activité. Moi, ce que je propose aux gens, c'est lorsqu'on a entendu parler, c'est de prendre un second rendez-vous avec cette personne qui va lui présenter certainement lui-même la personne qui lui a présenté Forever en premier. Donc c'est un rendez-vous en général avec le manager de l'équipe ou l'animateur de l'équipe dans laquelle on est, qui est une personne qui a plus de recul, qui a plus d'ancienneté, 6 mois, 1 an d'expérience ou 2 ans, et qui va être encore plus apte à témoigner de la beauté de cette activité. On peut faire une comparaison avec le travail traditionnel? Ah, la comparaison est rapide. Dans un travail traditionnel, on est en concurrence avec les autres employés pour remonter en hiérarchie. Dans ce système, si on veut réussir, il faut aider les gens dans notre équipe à réussir parce que c'est grâce à eux qu'on avance. On est poussé par les résultats de son équipe. Donc déjà, il n'y a pas de concurrence dans cette activité. Ensuite, au niveau des horaires de travail, je l'ai dit tout à l'heure, on travaille quand on en a envie. Il y a pas de... On gère son propre temps, on est indépendant. Combien d'heures de travail par semaine? C'est pas une question d'heures de travail, c'est une question de sérieux, d'être rigoureux dans son activité. Ça dépend également des gens avec qui on travaille. On peut aller plus ou moins vite en fonction des personnes que l'on recrute dans notre réseau de distribution. Mais aujourd'hui, peut-être que Forever va me prendre 10, 15, 20 heures par semaine de travail. Il y aura des semaines qui sont plus lourdes que d'autres, puis il y a des semaines où il n'y aura rien du tout. Aujourd'hui, je sais qu'avec Forever, j'ai l'occasion de pouvoir prendre au moins 3 fois des vacances dans l'année. Et avant, je pouvais ne les prendre qu'une fois. On décide du temps de travail, en fait. On décide du temps de travail, et plus on avance, plus on gagne sa vie avec Forever, plus effectivement, ça devient facile.